Hello les amis! Ghost and Goblins sur Game Boy Color, voilà un jeu rare sur cette console. Et un jeu super dur, super dur. Donc l'histoire elle est simple. Vous êtes un chevalier qui doit libérer une princesse, forcément. Ça commence tout de suite, hein. Donc ce jeu est pompé sur totalement pratiquement sur la console NES 8 bits. Hein. Le niveau 1 c'est le même. Voilà. Les graphismes, bah, c'est du Game Boy Color, donc c'est sympa je trouve. La difficulté est extrême, même si sur la version Game Boy Color, c'est un petit peu plus facile quand même. Je vois le niveau 1, j'arrive à le passer, enfin le passer, je meurs que 5-6 fois quoi. Donc il y a pire. Voilà, vous voyez, c'est faut pas traîner quoi, faut bourriner sur tout ce qui passe, tout ce qui bouge. La lance c'est bien. Voilà, là je sais qu'il y a un truc là, il y a une gargouille là, voilà, la saloperie de ça, c'est chaud ça. C'est chaud à passer ça. Eh merde, c'est un petit boss quoi de niveau. Les corbeaux, c'est chiant, tant qu'ils s'envolent pas, ça va. Parce qu'après ils volent en haut et en bas, donc c'est un coup sur deux pour les avoir. Là vous avez la passerelle, si vous tombez dans l'eau, vous claquez direct. Voilà, c'est bon, je suis passé. Il y a des trucs qui volent bientôt. Voilà, là faut se baisser, hein. Faut pas chercher là, les combattre, c'est trop chaud ça, trop dur. Voilà, donc c'est vraiment un des jeux les plus durs de toutes les consoles confondues. Hein. On a 2 points de vie, l'armure, 1 point de vie, et quand on perd l'armure, on est en calbar comme moi, en caleçon, et on n'a plus qu'un seul point de vie. Les trucs qui font du bruit qui volent, c'est la merde aussi. Faut que je me baisse. Le boss n'est pas très loin, je crois. Mais je vous préviens que je vais crever souvent. Putain, ça y est, je l'ai dit, je suis mort. J'aurais pas dû le dire. Ça commence bien, les copains. Ça, c'est la carte du monde à tout faire. Il y a 6 points. Voilà, il y a 6 points à faire, hein, 6 niveaux. Voilà, ça fait drôle de jouer. Oh putain! Ça fait drôle de jouer à ce jeu sur Game Boy Color. Vous imaginez la difficulté du jeu déjà, donc sur petit écran ça devait être encore pire quoi, ça devait être la joue en émulateur donc ça va. Mais alors sur petit écran à l'époque les gosses, les gamins ils devaient souffrir quoi. Vraiment ils devaient crier, pousser des hurlements quoi, parce que c'est un jeu qui est très dur. Je le répète encore une fois, mais et il est aussi très rare. Sur cette console, ce support, je vous dis, il est sur Game Boy Color, j'en ai jamais vu sur eBay ou très rarement. En France, hein. Donc on en trouve dans l'international et tout. Putain, j'ai failli crever. Mais franchement, j'ai eu du mal à le trouver. Et j'en suis bien content. Bon, alors là, il y a un boss qui est super chaud à abattre, mais avec 1 point de vie, je vais pas l'avoir. Je vais me faire défoncer. Et voilà, ouais, il faut au moins 2 points de vie, hein. Faut avoir l'armure au moins. Parce que sinon, c'est la merde. On va recommencer, c'est pas grave. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que on recommence pratiquement au même point d'où on est mort, donc ça c'est cool. Vous allez voir, je vais recommencer au boss pratiquement. C'est sympa, c'est bien, c'est ce qu'il faut, hein, parce que sinon c'est la grosse galère. Donc là, il est là, je vais le bourriner à mort, j'ai perdu un point de vie, c'est normal. Et après, je le bousille et j'ai la clé. Yes! Le premier level de passé. Je suis mort, je crois, 2-3 fois, quoi. Bon. Mot de passe de niveau. Et ouais, on est sur Game Boy, les amis. Et là, c'est un niveau chaud, 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 chaud. Il y a des tours avec des démons, des petits démons qui volent de partout. C'est le gros bordel, je vais me faire défoncer. Il y a quand même le sang qui gicle, hein, quand même. C'est resté, ça, c'est bien. C'est un jeu très, très, très dur. Regardez ça. Putain, merde, je suis tombé dans l'eau. Oh là 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 là, c'est... C'est vraiment... moi, j'ai poussé des crises de nerfs quoi, quand j'ai joué à ce jeu dans le passé. Voilà, je me retiens parce que c'est un test. Donc, on peut continuer, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Les continues sont infinies dans cette plateforme de jeu, pardon. Donc, ça, c'est bien. De toute manière, il faut au moins, pour le finir... c'est pas un jeu très long, mais comme il est très dur... Putain, encore touché, il faut compter crever au moins 100 fois, quoi. Vous crevez 100 fois et vous arrivez à le finir une fois. Ah, oh, je suis presque. Et merde. Bon, la prochaine, c'est la bonne, les amis. Hein. Je souffre beaucoup pour vous, hein. Mais comme je l'avais pas testé sur Nintendo NES,
et que là c'est la même version. Bon, les graphismes sont un petit peu en dessous, mais bon, c'est du Game Boy, hein. Color, donc ça reste quand même très cool. Les couleurs sont sympas, sont bien vives, hein, pour... Ouh là là, j'ai failli me faire déchirer. Oh, je suis passé, les amis. Waouh. Donc les couleurs sont bien vives, les graphismes sont cool. Là, il y a des démons qui vont sortir des fenêtres des maisons. C'est chaud, c'est hyper chaud à passer. Je vais bourriner et je suis crevé. C'est pas grave, c'est normal dans ce jeu. Mais ça me fait plaisir de vous le montrer parce que... Voilà quoi, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas jouer à ce jeu parce que voilà, c'est trop dur. C'est vrai qu'il est... Je sais pas pourquoi il est aussi dur d'ailleurs. Il y a eu pas mal de discussions là-dessus. C'est un jeu à la base d'arcade, hein, donc des espèces de grosses bornes de jeux qu'on trouvait dans les cafés, dans les salles de jeux, dans les années 90. Bon, voilà quoi, c'est la difficulté, c'est la marque de ce jeu. Le numéro 2 aussi est très dur. Voilà quoi, faut connaître par cœur le jeu, faut connaître par cœur ses boutons, sa manette, le bon timing. Faut faire gaffe, hein, il faut que je fasse gaffe au mec au gros porc là en dessous. Il faut que je me baisse, je le bourrine, mais j'en ai deux, je vais me faire déchirer, je le sens. Putain, ça va passer, ça passe pas. C'est pas grave les amis, je reste calme. Là je suis obligé de prendre la torche, malheureusement, elle était sur l'échelle. Et la torche c'est l'arme la plus pourrie du jeu. Parce que dans le jeu, il y a la torche, la lance, le javelot, la hache. Vas-y, c'est bon. Et la torche, c'est de la merde. En plus, ça traverse même pas le sol. Est-ce que je passe. Et le corbeau, merde, putain. Par devant, par derrière, en haut, en bas. Qu'est-ce que ces jeux japonais? C'est des malades, hein. C'est samouraï, là, de faire des jeux comme ça. Ah, les japonais, hein. Ils sont beaucoup plus forts niveau gaming que nous, quoi. Ils ont ce côté concentration, ce côté zen, je sais pas quoi, que nous, on n'a pas trop, quoi. Bah, les Européens, nous, c'est plutôt voilà, le fun, on avance, on bourrine, et puis eux, ils aiment bien la difficulté, c'est... Putain, j'ai encore me faire déchirer, c'est bon, je l'ai eu. Bon, j'aimerais bien passer le niveau pour vous montrer la suite, mais c'est déjà un miracle que j'ai réussi à aller aussi loin. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait le test. Ça passe. Oh putain, il m'a craché une merde en même temps, là. Putain, c'est pas possible. Je disais, c'est rare que j'aille aussi loin dans ce genre de jeu. Voilà, parce que c'est trop dur. Là, comme je vous dis, j'ai l'impression quand même qu'il est un peu plus facile que sur la NES. Je vous dis, c'est sûrement dû à l'écran, à la taille de l'écran. Je vais crever, là. Et ouais, j'étais trop près de lui. Alors, j'ai compris, en fait. Quand je tape à un gros porc comme ça, il faut que je sois assez loin de lui. Parce que comme il me faut pas mal de coups pour le tuer... Ok, j'ai capté. Le temps que ça monte au cerveau, vous savez... Bon, les amis, on va passer. C'est pas grave, je reste zen, hein, calme. Voilà, ça reste quand même un excellent jeu. Avec... Bon, la musique sur cette console Game Boy Color, elle est très moyenne. Je pense qu'elle a été mal encodée. Mais bon, faut dire aussi que sur Game Boy, les musiques n'ont jamais été exceptionnelles, hein, on peut pas non plus trop en demander, hein. C'est une console portable, voilà quoi. Bon, est-ce que je vais passer, les amis? Il faut que je reste à distance du gros, là. Je pense que c'est bon. Ouais, il y a un corbeau qui est pas loin. Il est où, le corbeau? Corbeau. Là, je vais attendre un petit peu, j'ai pas envie de me faire défoncer. Faut vraiment souffler, rester calme, putain. Il faut vraiment se concentrer, les amis. Il faut pas s'énerver. Faut pas chercher l'embrouille. Je vais l'éviter. Voilà. Et là, je vais éviter le corbeau. Ouais, oh, c'est bien joué, ça. C'est... Oh oui. J'ai eu un début de plaisir. Vraiment, je suis content là, de l'avoir passé comme ça. Ah, voilà, c'est chaud. Ce passage est super chaud. En sachant qu'on est chronométré, qu'il me reste plus que 1 minute 24. Ça va être chaud. Il faut que je passe sur une seule plateforme et après je saute. Mais il y a une espèce de putain de corbeau rouge super rapide qui m'a massacré. C'est pas grave, les amis, je reste calme, concentré. Je sens que je vais essayer quand même de finir le niveau
et de vous montrer la suite. Mais voilà quoi, comme les continues sont infinies, je peux me permettre ça quoi. Bon, voilà quoi. Ah, je l'ai eu, corbeau rouge. Il y a les corbeaux bleus qui sont assez lents, qui volent de travers, en haut, en bas. Les rouges, ils vous font sans piquer dessus. Ils sont plus rapides et... Oh merde, petit démon de merde! Bon allez, je vais pas gueuler. Et voilà, il m'a niqué. Encore une fois, désolé pour la vulgarité, mais quand on meurt 20 fois en 10 minutes, ça fait mal quand même. Hein. Bon, on continue. Je vais y arriver, j'ai quand même fait presque un quart de la carte, c'est pas mal. Et c'est vraiment étonnant parce que ce jeu, je le connaissais pas vraiment beaucoup. Enfin, le jeu sur la plateforme 8 bits, je le connais bien sûr, comme beaucoup de gens. Mais sur Game Boy, voilà quoi, je l'avais acheté, trouvé, j'étais content. Mais j'avais pas trop, j'avais pas trop joué avec parce que voilà, la Game Boy, voilà, les yeux, tout ça, ça commence à fatiguer. C'est petit, ça m'énerve. Alors un jeu comme ça sur Game Boy, voilà quoi, c'est même impossible à jouer pour moi quoi. Là, je vois les détails quand même, vous voyez. C'est bien, c'est beau, ça reste quand même joli quoi. Les couleurs sont vives. Ah, le putain de corbeau, il m'a encore... Oh là là, c'est pas possible, c'est saloperie de trucs qui volent là. Qu'est-ce que ça m'énerve, je vous assure, ça m'énerve. C'est un test que j'aime, mais alors... je suis énervé quoi. On meurt trop facilement quoi, c'est... C'est ça qui est vraiment chiant quoi. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait à la plateforme là? Elle met une heure à redescendre là. Ouais, je m'énerve. Si je m'énerve, je crée. Oh, je l'ai. Je suis tombé dans l'eau là. Oh, c'est pas vrai. Je suis passé. Le pixel était bon là. Merde. C'est quoi ce jeu là? Ce jeu hyper dur. Hein. Bon, après, je le savais à la base, hein, les amis. Hein. Je savais que j'allais gueuler. Hein. Mais bon, quand même, ça fait toujours plaisir de rejouer à ce jeu. Bon allez, je vais essayer de finir le niveau parce que... Allez, cours, ouais, j'ai eu le corbeau rouge, la saleté, va. Hein. Allez, je vais essayer d'avoir le... Oh, je me suis fait encore bousiller, c'est pas possible ça. Heureusement que quand vous faites toucher, vous avez quelques secondes où vous êtes transparent. Et vous risquez pas de vous refaire toucher tout de suite, quoi. Donc ça laisse un laps de temps microscopique, mais bien souvent c'est bon. Ah, je suis passé... Oh, il y en a encore un, bien sûr. 55 secondes. Allez, dépêchez-vous les plateformes. Oh, il y en a deux en plus, putain, mais c'est pas vrai ce jeu. Je suis passé les amis, youpi. Et il y a un boss ce niveau. Et ouais, putain, il est rapide celui-là. Faut que je me baisse, putain, il m'a bousillé de manière avec un point de vie. Je le sentais pas trop. C'est pas grave les amis, je le vis bien. Je reste calme, on va recommencer un continu. Allez, et on va attaquer le boss direct je crois. Je crois que le continu m'amène directement au boss de niveau. Et ça va être très cool. Ouais, allez. Putain, je me baisse. Yes, c'est bon, je gère. Ouais. Oh putain, j'ai perdu un point de vie. J'ai la torche, l'arme la plus pourrie du jeu. C'est pas grave. On continue, vas-y. Viens. T'attends quoi là? Il a peur de moi, je crois. Vas-y, c'est bon, je l'ai eu, yes! Putain, il y en a un deuxième, putain, j'avais oublié qu'il y en avait un deuxième, putain, il y en a deux! Oh, il y en a deux, bordel! Deux boss! Ah oh là là, c'est japonais, je vous assure, hein. Je suis pas raciste, hein, loin de là, hein. Mais ils sont vraiment vicieux, quoi. Et encore, hein, en version japonaise, je crois que ce jeu est encore plus dur, quoi. C'est vraiment. Putain, ça commence fort, là. C'est du hard quoi. Ouais bon bah j'ai parlé trop vite, hein, ouais, ça m'apprendra à dire du mal des japonais. Et on continue, c'est quand même grâce à eux qu'on a tous les jeux vidéo. Hein. À part Sony, les américains qui nous ont fait des belles consoles aussi, mais bon. Allez c'est parti. Allez, ouais, je vais t'avoir. Je recule un peu, parce qu'il avance et il recule. L'autre bouge pas, à droite, ne bouge pas. Attends je finisse avec celui-là, voilà c'est très bien. Maintenant, tu viens, et je te bourrine. Putain, je vais le niquer! Allez, reste calme. Ouais! C'est bon, j'ai la clé, les amis. Ça fait plaisir. Hein. Ah, ça fait plaisir d'ouvrir la porte. Je vous assure, ça fait plaisir. En plus, j'ai le mot de passe, bon, qui ne me sert à rien parce que je suis en émulation. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir fini le niveau.
Alors franchement, ceux qui l'ont fini, dites-moi dans vos coms, hein, ceux qui l'ont fini sur Game Boy Color, enfin déjà ceux qui l'ont parce que c'est un jeu très rare sur Game Boy Color. Alors là, c'est un niveau, c'est pas le même. C'est marrant, j'ai la hache. Mais ouais, c'est pas le même que sur NES, là, je crois. Les zombies, on les voit que dans le level 1 sur NES. Les zombies aux cheveux bleus, c'est marrant. Que là, ouais, c'est un autre niveau, ça, hein, c'est un autre truc. Hein. J'ai jamais vu ça. Et ouais, ouais, j'avais jamais été aussi loin dans ce jeu. Et vous voyez, j'apprends des choses, là. Et ouais, donc c'est pas tout à fait le même que sur Nintendo NES. Il est un peu différent. Oh putain, j'ai failli me faire bousiller. Donc les amis, je vais bientôt arrêter le test parce que j'en peux plus, là, je suis en train de trembler et tout. Faut que je boive quelque chose. Sympa, très dur, mais très sympa à posséder, à jouer. Ah, la goule, la saloperie de chauve-souris, enfin, pas chauve-souris, démon rouge, ils sont super durs à battre. Et putain, il m'a tué en même temps que je l'ai tué. Voilà les amis, c'est un très bon jeu, mais très dur. A bientôt, salut, salut.